j'ai réalisé un projet avec ICAP, qui était donc une capsule vidéo qui retraçait un travail qu'on avait fait à la faculté. Et ce travail, c'était un audit qu'on est allé réaliser dans une entreprise. Donc là, ça leur a apporté quoi? Ça leur a permis de développer des compétences techniques, mais également ça a développé d'autres compétences, des compétences plus transversales qu'ils ont appris dans d'autres UE que la mienne, comme de la communication, du verbal, du non-verbal, de la gestion de projet, de la gestion du temps, des techniques en ce qui concerne tout ce qui va être outils multimédia aussi, qui ont pu être importants dans ce projet-là. Donc c'était quelque part s'approcher aussi de leur monde et de leur univers. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est un projet qui est innovant et qui nous permet de restituer quelque chose de manière différente de d'habitude. Pour avoir un feedback de comment est-ce qu'on était, certains défauts, quelle était notre gestuelle, notre attitude, pour après pouvoir la corriger par la suite. On a souvent l'habitude des choses très académiques, de faire des rapports écrits, des choses comme ça. Et faire une vidéo, c'est une vraie ouverture, une vraie plus-value pour moi. Et ça nous prépare à l'avenir, parce que c'est ce qu'on va faire par la suite, c'est savoir se vendre entre guillemets. Le résultat est très satisfaisant. On a eu de très belles présentations, aussi bien sur le fond que sur la forme, avec des étudiants qui étaient très mobilisés. Ce qui veut dire que si on a eu de belles prestations, on a eu un investissement individuel de chaque étudiant qui a été très important. Donc l'année prochaine, on continue.